journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de nous suivre dans cette édition. Au sommaire, offrir un meilleur financement aux petites et moyennes entreprises, la Banque mondiale et le gouvernement togolais s'y attellent. Le sujet a fait l'objet d'une table ronde hier à Lomé. Il fait un temps sec et poussiéreux en cette période, un moment favori pour la méningite. Santé Plus de ce mercredi nous édifie sur les mesures préventives de cette maladie. Avez-vous l'habitude de faire la lecture à vos enfants ou de leur raconter des histoires le soir avant qu'ils n'aillent au lit? Eh bien, sachez que cette activité a des avantages sur le développement des enfants à découvrir dans ce journal. À suivre également dans cette édition, les comportements qu'un bon taximan doit adopter pour assurer le trajet de ses passagers. Et pour finir, vous aurez les titres du journal de la CAN. Radio-Lomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. D'abord, retour sur ces deux audiences hier à la primature. Madame le Premier ministre a reçu Madame Angela Kereburu, productrice audiovisuelle. Elle a à son actif plusieurs productions, dont la série Oasis. Elle est venue demander le soutien du gouvernement à travers la chef du gouvernement, Victoire Tomé-Gadowé, afin de pouvoir pérenniser son action dans le domaine du cinéma togolais. Angela Kereburu, au sortir de l'audience. L'élément principal de notre échange, c'est la demande de soutien du gouvernement vis-à-vis de notre initiative, la web-série Arwe, en langue locale. Donc cette série est diffusée sur les réseaux sociaux depuis le 1er décembre et elle suscite l'engouement des Togolais. Elle a déjà suscité l'engouement des équipes qui ont travaillé sur le projet. Ça fait 15 ans que je suis au Togo et que je fais de l'audiovisuel et que je fais des séries. Et malheureusement, les Togolais ne connaissent pas le travail que je fais. J'ai fait une première série qui s'appelle Zen sur les émigrants, une autre série qui s'appelle Hospitalité sur la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine occidentale sur TV5 Monde, une autre série sur Oasis qui a été diffusée sur Canal+. Seulement, tout le monde n'a pas les moyens d'accéder à Canal+ ou à TV5 Monde. En seconde audience, la chef du gouvernement a conféré avec Aboubakar Kouéchia, représentant résident du programme alimentaire mondial au Togo. En fin de mission, il est allé dire ses adieux au Premier ministre afin qu'à l'ensemble du gouvernement. J'ai voulu passer pour lui dire au revoir et aussi présenter mes remerciements à Madame la Première ministre et à travers elle, à tout le gouvernement, au chef de l'État, parce que c'est sous ça clairvoyance que nous avons pu faire ce que nous avons fait au Togo. Je vais vous donner un exemple. Depuis que je suis arrivé, dans les 5 ans, le PAM n'avait pas une représentation au Togo. Mais c'est grâce au soutien personnel de Madame la Première ministre et le gouvernement du Togo, le PAM a pu obtenir la représentation au Togo. Auparavant, le Togo était sous le Bénin. Donc toutes les décisions stratégiques du Togo devaient être prises à Cotonou. Ça, c'est déjà un premier avancé réussi. Deuxièmement, nous avons pu multiplier les ressources du programme alimentaire mondial au Togo par 6 dans 3 ans. Et je peux vous dire aujourd'hui, nous avons un plan stratégique qui a un budget, une ressource prévue de maintenant jusqu'au décembre 2026, duquel nous avons déjà mobilisé près de 90% des besoins. Grand Lomé, étape finale hier de la tournée nationale des ministres sur l'assurance maladie universelle. Les autorités locales, les bénéficiaires et prestataires ont été sensibilisés sur la mission et le processus de la mise en œuvre du projet. Alice Berthe Barandao. La santé est vitale et essentielle pour tous afin d'être productif. Ce sont les mots du chef de la délégation, Gilbert Bawara, ministre en charge de la fonction publique, qui s'exprimait sur le contexte d'instauration de l'assurance maladie universelle au Togo. Il s'est expliqué sur les différents préparatifs et les expériences acquises des autres pays avant son opérationnalisation le 1er janvier dernier. Il y a une attente et un besoin de toutes les couches et catégories de la population de pouvoir bénéficier d'une couverture sanitaire. Nous avons passé le temps, d'une part, à essayer d'aller vers d'autres pays africains qui nous ont précédés en matière d'assurance maladie universelle
pour voir comment ils ont procédé. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer des difficultés auxquelles ces pays ont été confrontés, afin que nous puissions éviter le même genre de difficultés. Nous avons passé aussi le temps à examiner les différents dispositifs et mesures d'assurance maladie qui existaient dans notre pays. C'est tout ce processus-là qui a conduit le gouvernement au cours du dernier trimestre 2023 à adopter les textes d'application de l'assurance maladie universelle. Le ministre de la Santé, le professeur Mustapha Mijiawa, a présenté les différents dispositifs sanitaires mis en œuvre dans le cadre de l'assurance maladie universelle et a expliqué pourquoi le médicament générique sera le plus indiqué pour soigner les bénéficiaires. Le gouvernement, depuis des années, a mis en place la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques, la CAMEG. Générique veut dire que le médicament, on va focaliser l'attention sur le médicament dans sa portion utile. Donc, lorsqu'on mène une politique en faveur du plus grand nombre, bien évidemment, on doit s'adonner sur ce qui est utile. Et compte tenu du fait que dans l'esprit du chef de l'État, c'est de couvrir l'ensemble de la population togolaise, on va se contenter de la forme la plus utile du médicament. Alors, maintenant, compte tenu du fait qu'il faut que la CAMEG réponde aux objectifs qui lui sont fixés, le chef de l'État a décidé d'injecter 1,5 milliard pour élargir l'éventail des possibilités d'obtention des médicaments par la CAMEG. Le ministre de l'Action universelle aux soins, Jean-Marie Tessy et Adjovi Lolonion Anakoma de l'Action sociale, eux, se sont exprimés sur les modalités d'accès à l'assurance maladie et les avantages de s'enrôler. La rencontre s'est achevée par une série de questions-réponses sur des aspects pratiques des prestations de soins dans les formations sanitaires. Et santé toujours, la méningite est une inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Cette maladie sévit plus en période d'harmattan et est mortelle. Causée par les bactéries, les virus, champignons ou parasites, la méningite peut être prévenue par des mesures de prévention et la vaccination. Nous recevons ce mercredi Eto Maouli Gaga, chef session de la surveillance des maladies à potentiel épidémiologique et des urgences. Rendez-vous en fin d'édition. Et cette information qui vient de nous parvenir, le président de la République, Faure Essosmina Niasingbe, s'est entretenu hier avec le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, en visite de travail à Lomé. Abdoulaye Diop a fait au président de la République le point de la situation sociopolitique au Mali. Il a également évoqué avec le président les questions de paix et de sécurité, ainsi que les derniers développements politiques et institutionnels dans la sous-région. Le chef de la diplomatie malienne a remercié à l'occasion le président de la République pour son implication pour un heureux aboutissement de la transition politique dans son pays et son engagement pour la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région. Le chef de l'État togolais s'est toujours investi dans la résolution des conflits par le dialogue et la concertation. On en vient maintenant à ce premier titre du journal. La Banque mondiale veut améliorer l'accompagnement des microfinances au Togo. Elle répond ainsi à l'une des préoccupations du gouvernement, celle de mieux financer les PME, petites et moyennes entreprises. Des échanges se tiennent à ce sujet autour d'une table ronde depuis hier à Lomé. Hervé Segbono. Accompagner les microfinances à réduire les taux de remboursement, aider le gouvernement togolais à créer plus d'emplois dans différents secteurs sont les questions essentielles à aborder lors des échanges. Philippe Sissoko relève les différents mécanismes sur lesquels l'institution financière mondiale compte s'appuyer pour atteindre ses objectifs. Nous travaillons avec tous les guichets de la Banque mondiale. Nous avons la Banque mondiale, la Société financière internationale et l'institution de garantie, la MIGA. Chacune de ces institutions peut apporter des réponses. Et d'ailleurs, on est très heureux de voir qu'il y a une forte participation de la Société financière internationale, dont la responsable pays sera aujourd'hui ici à Lomé aussi pour participer à ces discussions, de voir comment on peut dérisquer, comment on peut apporter un meilleur soutien aux institutions de microfinance pour leur permettre d'accompagner les petites et moyennes entreprises à des taux abordables. L'accompagnement de la Banque mondiale se repose sur trois piliers. Philippe Sissoko. L'agriculture, la connectivité et la logistique et le développement des villes secondaires. Donc dans chacun de ces piliers, identifier de façon transversale
quelles sont les petites et moyennes entreprises, les toutes petites entreprises, et comment réussir à les soutenir pour qu'elles aient un meilleur accès au financement, soit en dérisquant, soit en apportant des garanties, soit en renforcement des capacités des PME pour leur permettre donc de pouvoir être le véritable moteur de la croissance et la transformation structurelle de l'économie. Le secrétaire général de la présidence de la République, Mme Ablamba Rufavi Johnson, a présidé la cérémonie d'ouverture. Elle avait à ses côtés son collègue en charge du commerce, Mme Rose Kaimivedor. Vous écoutez Radio Lomé. Nous les sollicitons souvent pour nos déplacements. Les conducteurs de taxi ou taximan, ces derniers conduisent leurs passagers d'un endroit à un autre en assurant un trajet sécurisé, agréable et le plus rapide possible. Quel est le quotidien d'un conducteur de taxi? Radio Lomé est allé à la rencontre de Kofi, conducteur de taxi à Lomé, et Jean-Baptiste Ativor, Nabara Nafara Noudar. Kofi, la quarantaine, teint noir, visage encadré par une courte barbe soigneusement entretenue, cheveux au ras, rides discrètes au coin de ses yeux, reflète une combinaison de détermination et de bienveillance. Véhicule aligné le long du trottoir animé, Kofi et ses collègues assis sont en pleine discussion sur leur activité. Debout déjà à 6 heures, Kofi, avant de prendre la route de son travail, prend soin de vérifier son engin. Avant que moi je sois à la maison, mon véhicule, je fais entretien. Je vérifie l'huile, l'eau, est-ce que tout est à mesure pour ne pas avoir de panne sur la route ou bien d'accident. Si je remarque un problème de rétroviseur, et le feu stop arrière qui ne fonctionne pas, je dois vite rentrer chez l'opérateur pour ranger avant de sortir. Je vérifie mes papiers avant de sortir à la maison. Pour trouver son pain quotidien, Kofi, quelles que soient les difficultés avec les clients, reste souriant. Personnellement, je suis souriant avec mes clients, patient avec des clients dans la vie. Certains ou autres peuvent sortir avec des rancunes, des soucis. Donc c'est à toi qui dois savoir comment tu dois les gérer. La façon qu'il parle, il faut savoir répondre. Lorsque le conducteur trouve des clients, celui-ci ne se presse pas. En passant, si le client m'appelle, je mets le client en, je vérifie derrière, je jette un coup d'œil à mon rétroviseur. Savoir s'il n'y a pas d'autre qui vient derrière moi, donc je mets le client en, je garde et je prends des passagers. Trouver son pain de tous les jours, oui. Mais il faut avant tout penser à sa famille, à la maison. Kofi l'a compris. Quand moi j'arrive au feu rouge, je vois déjà orange commence à s'arriver, signaler, je dois s'arrêter carrément pour ne pas avoir de problème. On ne viole pas le feu en circulation, ça cause accident. Donc obligatoirement, un conducteur doit respecter le feu. Des urgences, il n'en manque pas. Lorsque le brave homme finit sa journée, il prend également soin de revérifier son engin. À la fin de la journée, tu arrives à la maison, je vérifie le véhicule avant de garer. Peut-être la nuit, il y a un client qui peut t'appeler en plein minuit comme ça, disant que tu viens l'amener quelque part. Donc tu dois obligatoirement contrôler le véhicule avant de garer, charger de carburant pour être prêt. Au cas où on l'appelle, n'importe quel moment, tu dois te répondre. C'est ton boulot, quoi. Il faut être en jour, chaque temps. À tous les conducteurs, Kofi dit ceci. Pour mes collègues, que tout le monde essaye de me rôler en circulation. Quand tu trouves un client, il faut essayer de maîtriser le volant. Savoir garer parce qu'il y a des motos derrière nous. Conduire sans accident est un souhait pour tout conducteur. Alors, prudence et vigilance sur les routes. Et un conducteur doit s'assurer essentiellement du bien-être de tous les passagers. Pour cela, il doit adopter un bon comportement. Roger Kbitou, moniteur d'une auto-école. Un bon conducteur qui se réveille doit faire l'entretien de son véhicule. Et si on parle d'entretien matinal, ce sont des vérifications. La pression des pneus, vérifier la luminosité, c'est-à-dire les feux du véhicule, le moteur, les niveaux d'huile et d'eau, avant de faire sortir son engin. Il faut avoir aussi le tas du conducteur. Un conducteur qui se réveille très tôt le matin, qui prend de l'alcool, quand bien même que le véhicule est en bon état de fonctionnement, ce conducteur ne peut pas bien conduire. Le respect de la signalisation et les règles de circulation dépendra toujours du bon état de fonctionnement du véhicule et l'état physique du conducteur. La visibilité compte. Donc, voir où il faut s'arrêter, comment s'arrêter, voir quand il faut partir, comment partir. Les rétrovisions sont là, les distances de sécurité sont là à respecter pour éviter les accidents de circulation. Et pour garantir la sécurité sur nos routes, le civisme doit être aussi de mise. Un bon conducteur doit avoir l'esprit de partage, de courtoisie. Et si on parle de courtoisie sur nos rues, c'est accorder sa priorité à l'autre, faciliter le manœuvre de l'autre pour éviter les accidents. Vivement que ces conseils soient mis en pratique.
Le Togo s'apprête à accueillir du 29 octobre au 2 novembre prochain le 9e congrès panafricain et dans le cadre des préparatifs de ce rendez-vous, le ministère des Affaires étrangères a lancé depuis le 23 janvier dernier un concours d'écriture à l'endroit des jeunes d'Afrique, des diasporas africaines et des ascendances africaines. Justement, la lecture et l'écriture passent par l'alphabétisation et les enfants peuvent apprendre à travers les lectures du soir ou à travers de belles histoires racontées avant d'aller au lit. Quels sont alors les avantages de la lecture du soir pour les enfants? Réponse dans ce magazine de Geneviève Cognon. Lire un livre ou raconter des histoires à l'enfant le soir est un moment d'interaction privilégié entre un parent et son enfant avant de se coucher. Mais bien souvent, ce temps est délaissé au profit des écrans de télévision. Pourtant, la lecture du soir a un rôle considérable sur le développement social et affectif de l'enfant. Les avantages de ce type de lecture avec Koudavi Nomanyou, vice-président de l'Association des écrivains du Togo, AET. Si le cerveau de l'enfant emmagasine de bonnes choses, de connaissances, il pourra les utiliser dans la vie active. La nuit, notre cerveau, pendant que nous nous reposons, lui continue à travailler. Tout ce qu'on lui aura donné avant de s'endormir, il va les garder, il va les retenir. Et voilà pourquoi il est conseillé de lire, de faire lire un enfant avant qu'il ne s'endorme. La lecture est une source d'éducation, d'instruction. La lecture permet de se cultiver. La lecture ouvre beaucoup de portes. La lecture est la clé de la réussite sur les bancs. C'est beaucoup mieux que les enfants soient collés au petit écran et les yeux rivés sur le petit écran avec tous les inconvénients que cela comporte. Cependant, les enfants qui n'ont pas eu cette chance d'être en contact avec les lectures du soir ou écouter des belles histoires sont exposés à certains effets. Retrouvons Koudavi Nomanyou. Le petit enfant auquel on ne raconte pas des histoires avant qu'il n'aille se coucher, il va dormir avec tout ce qu'il aura entendu, tout ce qu'il aura ramassé dans la journée. S'il a de la chance d'avoir entendu de bonnes choses, des choses positives, tant mieux. Si tel n'est pas le cas, vraiment ce sera dommage pour son cerveau, pour son esprit et pour l'enfant qui ne lit pas avant d'aller se coucher et pour l'enfant à qui on ne raconte pas d'histoire. Eh bien, ils sont exposés à tous les risques. Ils ne vont pas vraiment être performants à l'école puisqu'ils ne lisent pas, ils ne se cultivent pas. Les livres ont toujours été le symbole de la connaissance et de l'apprentissage. Apedo Amato Guata, écrivain enseignant-chercheur des universités du Togo, donne quelques conseils. C'est toute une politique à faire au sein de la politique culturelle, une politique du livre, montrer l'importance du livre dans la société. C'est avec les livres qu'on apprend. L'éducation est à faire à tout niveau. Bon, si rien n'est fait, mais qu'est-ce qui va inciter l'enfant à lire? Il veut voir celui-là de dire « va lire ». Non, il faut qu'il ait commencé. Tout petit, vous avez parlé des contes qu'on lit aux enfants, etc. C'est un début aussi. L'école primaire, est-ce qu'on leur donne des livres? Est-ce qu'il y a des bibliothèques, qu'on distribue des livres? Mais c'est ça la politique du livre, c'est l'incitation. Tout compte fait, transmettre le goût de la lecture et l'écriture aux enfants fait d'eux une personnalité épanouie dans la société. Les titres du journal de la CANP poursuivre. CANP Côte d'Ivoire 2023, les rois ont déserté la forêt. Les lions de l'Atlas sont à leur tour éliminés. L'Afrique du Sud bat le Maroc par 2-0. Le championnat national de la deuxième division est à sa 11e journée. Le calendrier dans le journal de la CAN, une présentation de Alou Noyoué. Et comme promis, voici l'invité de Santé Plus. La méningite est une inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Cette maladie sévit plus en période d'harmattan et est mortelle. Causée par les bactéries, les virus, champignons ou parasites, la méningite peut être prévenue par des mesures de prévention et la vaccination. Nous recevons ce mercredi Eto Maouli Gaga, chef session de la surveillance des maladies à potentiel épidémiologique et des urgences. Il est interrogé par Alice Berthe Barandao. Docteur Eto Maouli Gaga, merci beaucoup d'être venu. Nous sommes en période d'harmattan et le vent sec transporte beaucoup de maladies, parmi lesquelles la méningite. Qu'est-ce que la méningite? La méningite, c'est une maladie infectieuse qui attaque l'enveloppe qui entoure le cerveau et la moelle épinière, que nous appelons les méninges. Donc, par rapport à cette maladie, elle peut être bactérienne, virale, parasitaire ou mycosique.
Donc, par rapport à ces différentes attaques, les traitements diffèrent. Donc, le diagnostic pour s'assurer que c'est tel microbe qui a attaqué notre ménage est important pour lutter contre cette maladie. C'est ça. On va comprendre que si on a la méningite, il ne faut pas qu'on ait peur qu'il y ait un traitement. La méningite se traite. L'essentiel est que le diagnostic soit fait tôt pour qu'on puisse réagir à temps. Et si nous faisons ça, normalement, on ne doit pas décéder de la méningite. En dehors du traitement, est-ce qu'on peut prévenir la méningite? Oui, on peut prévenir la méningite d'abord par les moyens de bord. La contamination est aérienne par les gouttelettes, les toux, les éternuements. Donc c'est pour cela qu'il faut mettre la barrière. La barrière, c'est ce que nous avons l'habitude de faire contre le corona, à savoir mettre les bavettes, les cache-nez, se laver régulièrement les mains parce que l'acte main, nez ou bouche, c'est très rapide. Bon, lorsque la main est propre, ça veut dire qu'on ne va pas contaminer le nez ou la bouche pour qu'on puisse donner l'opportunité à ces virus ou bien à ces bactéries de pouvoir aller attaquer les méninges. Donc, il faut continuer de respecter les mesures barrières éditées par le gouvernement. L'héritage que nous laisse Covid, donc ça veut dire que nous pouvons l'appliquer pour toutes les maladies qui ont les mêmes modes de contamination. Mais disons, la deuxième prévention, c'est la vaccination. Il faut se prévenir en se vaccinant contre la méningite. C'est ça. Avant de faire la vaccination, est-ce qu'on doit se dépister d'abord pour voir si on a méningite ou quelles sont réellement les dispositions à prendre avant cette vaccination? Nous n'allons pas nous dépister. Ce n'est pas le protocole de prévention lié à la vaccination. Ce que nous avons l'habitude de faire, c'est qu'en période de cette période d'Harmattan qui favorise la contamination liée à la maladie, on demande à la population de se faire vacciner avant l'arrivée de cette période. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore contaminés, lorsque nous avons une épidémie de méningite, la population qui ne manifeste pas encore la maladie sont tous vaccinés, sans dépistage. C'est ça. Alors, il y en a qui voudront aller faire la vaccination. Quelles sont les dispositions à prendre? Non, c'est de s'approcher des structures sanitaires publiques. Généralement, lorsqu'il y a épidémie, le gouvernement donne les vaccins pour que on puisse prévenir cette épidémie au sein de la population. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas encore l'épidémie, pour prévenir la maladie, nous exhortons la population à s'approcher des structures sanitaires pour avoir les renseignements afin de s'offrir des vaccins pour leur propre santé. Prévenir vaut mieux que guérir. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, madame. Voilà, c'est la fin de ce journal, une édition un peu longue, actualité oblige, le rappel des titres, offrir un meilleur financement aux petites et moyennes entreprises, la Banque mondiale et le gouvernement togolais s'y attellent. Le sujet fait objet d'une table ronde depuis hier à Lomé. Et puis, il fait un temps sec et poussiéreux en cette période. Un moment favori pour la méningite, Santé Plus de ce mercredi nous a édifié sur les mesures préventives de cette maladie.